on n'a pas entendu que du bien sur l'huile de palme. Forcément, on a entendu des choses comme quoi c'est vrai, ça provoquait des cancers. C'est une huile végétale, mais très très mauvaise pour la santé, quoi. Il y a des analyses qui ont été faites qui ont prouvé que c'était cancérigène. Pas que des cancers, mais d'autres choses qui forcément n'étaient pas très bonnes dans la santé, comme par exemple dans certains pots de chocolat tartiné, on a entendu qu'il y avait beaucoup d'huile de palme et que c'était pas bon pour les enfants. Ça va venir dans l'organisme, s'installer plus facilement dans l'organisme, et que c'est difficile à extraire, enfin à expulser le corps. Enfin, c'est un peu flou, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est carrément flou, oui. C'est quand même très éloigné de la réalité. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est bon ou mauvais pour la santé. Pour moi, tout ce qui se mange est bon pour la santé, par principe, parce que manger nous fait d'abord du bien. C'est une matière grasse et nous avons besoin de matière grasse dans notre alimentation, donc elle a sa place. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on mange trop ou trop peu d'un aliment, ou lorsque les mélanges d'aliments induisent des déséquilibres, ça revient à peu près au même. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elle ne donne pas le cancer, ça c'est absolument certain, c'est ridicule. D'ailleurs, il n'y a pas d'aliment qui donne le cancer, c'est une drôle d'idée. Hein. Sauf si vous dégradez des aliments de façon dramatique, vous mangez du charbon de bois, enfin bon, des aliments, bon voilà. Donc il n'y a pas d'aliment qui amène le cancer. Est-ce que ça donne d'autres maladies? Non, ça ne donne pas d'autres maladies. J'ai entendu dire que ça peut être néfaste pour le cœur, on peut avoir des ennuis cardiaques, des infarctus. Ça causait donc des maladies cardiovasculaires, puisque ça créait des caillots dans le sang, donc qui étaient responsables d'un taux de cholestérol beaucoup trop élevé. Et que sur de la consommation à long terme, ça pouvait créer des arrêts cardiaques. Quand j'entends « c'est très mauvais de manger de l'huile de palme pour mon cholestérol », j'ai envie de dire « c'est vrai si vous mangez que de l'huile de palme », bien entendu. Mais d'abord, on ne mange jamais que de l'huile de palme. Et ensuite, le cholestérol dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres. Alors, bien sûr, elle contient des graisses saturées, mais toutes les huiles contiennent des graisses saturées. Elle en contient un petit peu plus, me direz-vous. Il y a des huiles qui en contiennent plus. Il y a des matières grasses animales qui en contiennent plus. Alors, quelle est sa place? Eh bien, sa place, elle existe parce qu'elle ne contient pas que des graisses saturées. Et donc, finalement, elle ne fait pas monter tellement le cholestérol, ou en tout cas, si on en consomme modérément, finalement, l'impact sera soit nul, soit extrêmement faible, soit même meilleur qu'avec d'autres corps gras. Donc, ne dramatisons pas là-dessus. L'huile de palme n'est pas une huile qui bouche les artères. Ce qui bouche les artères, c'est beaucoup plus complexe. Simplement, cette huile doit être mise à sa juste place dans l'alimentation. Ouais, je pense que les Français en consomment beaucoup sans s'en rendre compte. Et c'est très toxique et puis il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Ils doivent diminuer leur consommation et c'est pas toujours bien. On fait pas toujours bien attention sur les emballages. Est-ce qu'on mange vraiment trop d'huile de palme? Je sais pas si on en mange de trop, on n'en mange pas beaucoup en tout cas. On mange 3 à 10 grammes maximum par jour d'huile de palme aujourd'hui. Alors on va dire 3 à 5, 10 en étant maximaliste, bon 5 par exemple. 5 grammes, ça fait 2,5 grammes d'acide gras saturé sur un total de 30. Bon, on va dire que ça fait à peu près 10% pour être un peu pessimiste. Ce n'est pas énorme. Sa place peut être nécessaire, peut être justifiée dans une alimentation normale, à condition qu'elle ne soit pas excessive, à condition que l'alimentation globale soit équilibrée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une diversité d'huiles. C'est pour ça qu'il faut un peu d'huile de tournesol, un peu d'huile de colza, un peu d'huile d'olive, mais ça aurait pu être aussi de l'huile de maïs ou de l'huile de noix et de l'huile de palme, parce qu'elles sont toutes différentes. Est-ce qu'il y a une huile qui est parfaite? Non. Il faut les mélanger. Il faut que dans notre alimentation, il y ait un petit peu de tout. Donc, en général, quand on a une alimentation diversifiée, on s'en sort vraiment très bien. C'est pas très compliqué, la nutrition.